C'est parti. Bonjour et merci d'être avec nous pour suivre cet événement exceptionnel, le retour sur Terre des échantillons de l'astéroïde Ryugu. Vous avez peut-être suivi avec nous sur Ciel Espace la collecte périlleuse de ces échantillons par la sonde Hayabusa 2 l'année dernière. Et bien voilà, nous y sommes. Dans quelques dizaines de minutes, à 18h28 précisément, la capsule qui contient la précieuse cargaison pénétrera dans l'atmosphère à la vitesse de 42 000 km/h. Et moins d'une demi-heure plus tard, sous parachute, elle touchera le sol de l'Australie. Alors pour commenter l'événement, nous avons la chance aujourd'hui d'être accompagné par deux scientifiques, Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur et membre de l'équipe scientifique de Hayabusa 2, et Adrien de Villepoix, chercheur à l'Université Curtin à Perth, en Australie, spécialiste des météorites. C'est l'un des leaders du Desert Fireball Network et il va tenter dans quelques dizaines de minutes d'observer le bolide qui est attendu dans le ciel de l'Australie. Philippe Hénarejos, le rédacteur en chef de Ciel Espace, nous rejoindra dans la seconde partie de l'émission. Et Adrien Denel, qui est à la technique et au chat, répercutera vos questions. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, Adrien de Villepoix, je me tourne vers vous tout d'abord, car vous êtes pressé. Hein, vous n'allez pas pouvoir rester longtemps avec nous. On comprend bien que vous avez des choses très importantes à faire. Vous êtes à la tête de l'équipe qui va pouvoir étudier le bolide, hein, qui va traverser le ciel dans quelques minutes. Alors, la seule équipe scientifique, excepté bien sûr celle de la JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise, qui va récupérer l'échantillon. Alors, la capsule a été larguée comme prévu à 6h30 ce matin. Elle fonce vers la Terre et vous l'attendez de pied ferme. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Alors, en ce moment, là, je suis au milieu du désert australien, dans la juste de la plus grande zone militaire au monde, en plein désert. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il n'y a pas grand-chose. La capsule est quelque part par là-bas. Elle va continuer par là-bas. Et on l'attend de pied ferme. Ça fait deux semaines qu'on est prêt. 83 instruments, parce qu'un bolide comme ça, donc c'est un bolide prévu. Ce n'est pas comme la plupart des météores qu'on voit. La plupart des météores qu'on voit qui sont rarement détectés avant d'impacter la Terre. La capsule Hayabusa va nous permettre, d'étudier le phénomène, de manière contrôlée. Donc, on a sorti beaucoup d'instruments, que ce soit des instruments optiques, des caméras, la spectroscopie, l'ultrason, même du sismique. On va sans doute, le signal sismique sera pas énorme, mais on va essayer de récupérer un maximum d'informations à partir de ce bolide qui nous aidera derrière à calibrer nos modèles, nous, pour récupérer des météorites de bolides naturels. Voilà. Oui, parce que c'est ça, vous cherchez des météorites. Là, vous avez une expérience contrôlée, en fait, hein, parce que vous connaissez le bolide parfaitement, on connaît la masse, on connaît la vitesse, on connaît la direction d'arrivée, donc c'est pour vous, c'est l'expérience rêvée, finalement. L'expérience rêvée, on connaît son orbite parfaite, donc on va pouvoir tester avec nos caméras, les caméras qui observent nos bolides tous les jours. En fait, on va pouvoir tester, voir s'il n'y a pas des problèmes systématiques dans nos réductions des données. Alors, on sait qu'on n'a pas des problèmes énormes parce qu'on trouve des météorites, donc on sait calculer précisément où est-ce qu'elles tombent, mais c'est vraiment toujours intéressant de regarder ça. Et on travaille aussi avec des universités japonaises. Donc, à cause du Covid, il y a beaucoup en fait, de scientifiques japonais qui n'ont pas pu voyager. Le gouvernement australien a demandé à JAXA, donc à l'agence spatiale japonaise, de limiter le nombre de personnes qui pouvaient venir. Donc, il y a quand même 70 personnes pour le retour de la capsule, mais à la place de 200 qui, à la base, voulaient venir et auraient fait ce genre d'expérience. Donc, on travaille avec eux, on a déployé certains de leurs instruments aussi. Donc oui, c'est une collaboration avec les universités japonaises et je suis sûr qu'il y a de belles choses qui vont en sortir. Alors là, on est vraiment à un peu plus d'une demi-heure du fireball, hein, où on attendra un beau bolide dans le ciel. Quelle est la météo d'ailleurs? Est-ce qu'il va être visible? Alors là, à une demi-heure, je dirais, l'ouest est derrière moi, il n'y a pas de gros nuages qui arrivent, on est très content. Le temps n'était pas juste avant, beaucoup de vent, beaucoup de nuages, mais tout est parti, donc les étoiles s'alignent, tout va bien. Vous avez dû déployer des instruments à distance les uns des autres. Comment ça se prépare une manip comme la vôtre? Alors, une manip comme ça, c'est on a une quinzaine de sites différents. Donc la plupart des sites sont automatisés. Un point de vue logistique, c'est pas facile parce que il y a beaucoup de choses à faire. Il y a pas de courant sur place. On est obligé d'amener les batteries de partout. Donc on a à peu près 35 batteries. Vous imaginez 35 batteries de voiture.
une batterie de voiture, même encore un peu plus grosse, à trimballer. Donc, on a à peu près 3 tonnes de matériel. On est limité, nous, en tant qu'équipe, encore une fois, pour des raisons de Covid. Donc, installer toutes ces batteries, déployer les instruments, faire en sorte que tout marche bien et vérifier tout ça. Là, je crois que depuis 2 semaines, on est à plus de 10 000 km de route. Ah oui, dont, oui. Bonne partie hors piste. Donc voilà, ça se. Et sous une chaleur écrasante, j'imagine qu'on est, on est pas loin de l'été en Australie, il doit faire chaud. Il doit faire chaud. On a une journée à 46. Alors là où je suis, là on a, comment dire, là on dort, on a c'est un village, mais on pourrait même pas encore dire une ville, qui s'appelle Cooper Pedy, qui est vraiment au milieu du désert australien, et en fait qui est la capitale de l'Opal, donc je crois à peu près 80%. De l'opale qui est extrait ici, extrait quasiment à la main. Et en fait, les gens ici vivent sous terre, donc ils creusent un trou pour aller chercher de l'opale, et puis après, au bout d'un moment, ça devient une maison. Donc, traditionnellement, c'était comme ça. Donc c'est pas mal, on passe de 46 dehors à peu près 25 à l'intérieur. Et là, vous êtes en pleine nuit, donc je vous vois en chemise, donc il a l'air de faire bon. Les conditions ne sont pas trop compliquées? Non, la température a bien baissé. Elle a bien baissé, en fait, à peu près à 25. Très bien. Et écoutez, je ne sais pas si vous allez pouvoir rester plus longtemps avec nous. Je vous avais promis de vous libérer à 55. Il est 57. Donc, je vais vous laisser à vos manips. On vous souhaite évidemment bonne chance, hein, pour cette magnifique expérience. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adrien de Villepoix. Merci pour l'invitation. Merci, David. Et on vous envoie des vidéos, si possible. Bon courage. Super. On croise les doigts. Merci beaucoup. Alors. Écoutez, je vous propose une petite coupure d'une à deux minutes et on se retrouve tout de suite pour la suite du live. Voilà.
Allez. Et nous revoilà. Voilà, nous sommes de nouveau en direct pour ce retour de la capsule de la mission Hayabusa 2. Nous avons une interview d'Adrien de Villepoix qui était sur place. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Patrick Michel. Patrick Michel, qui est directeur de recherche au CNRS, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur et membre de l'équipe scientifique de la mission Hayabusa. Patrick, j'imagine que pour vous, aujourd'hui, c'est quand même un moment très, très spécial. Ouais, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'abord d'être avec vous pour ce moment historique, hein, parce qu'en fait, on va accueillir les premiers échantillons d'un astéroïde carboné sur Terre. C'est la première fois qu'on fait ça, donc on est évidemment très impatients de les accueillir et que cette opération se termine le mieux possible. Alors, je vous ai présenté comme membre de l'équipe scientifique d'Hayabusa 2. Je dois dire aussi que vous êtes membre de l'équipe de Osiris-Rex, c'est la sonde américaine qui a aussi fait la collection d'échantillons. Vous êtes responsable de la mission ERA, qui serait une sonde européenne lancée vers un astéroïde, aussi du rover qui se posera sur une lune de Mars. Vous êtes très occupé. Sur Hayabusa 2, alors expliquez-nous qu'est-ce qu'elle contient de si précieux, cette capsule-là qu'on va récupérer dans moins d'une demi-heure maintenant. Oui, alors en fait, avant de parler même du déroulement de cette mission qui a été vraiment un enchaînement de succès incroyable, effectivement, on a récolté des échantillons d'un astéroïde carboné, c'est-à-dire dont on pense qu'il est riche en matière organique et en fait dont la matière n'a pas évolué depuis qu'elle s'est formée dans le système solaire, avant même que les planètes se soient formées, puisqu'en fait, il y a 4,5 milliards d'années, 4,567 milliards d'années précisément, le système solaire était encore un disque de gaz et de poussière entourant le Soleil. Et en fait, c'est à partir de ces poussières que les planètes se sont formées par croissance de ces poussières, par des collisions. Et une partie d'entre elles n'a jamais été capturée dans une planète et a fini en petits rochers, la plupart entre Mars et Jupiter. Et ce sont donc les astéroïdes qui sont donc les restes des briques qui ont formé les planètes. Simplement, le problème, c'est que quand on veut avoir la meilleure recette de cuisine pour fabriquer une planète, eh bien, on a un problème, c'est qu'on n'a pas les ingrédients de base, parce que sur les roches terrestres, celles-ci, à cause du fait que les planètes ont chauffé lorsqu'elles se sont formées, eh bien, elles ont perdu la mémoire de leur composition chimique initiale. Et les astéroïdes qui sont les pierres qui ont formé ces planètes sont restés suffisamment petits pour que leur composition chimique n'ait pas été altérée depuis le début de la formation du système solaire. Donc en fait, avec ces échantillons, eh bien, on va remonter le temps et on va finir par acquérir les connaissances qui nous manquent pour cette recette de cuisine pour fabriquer les planètes, c'est-à-dire quelle était la composition des ingrédients qui existaient à l'origine dans la nébuleuse solaire. Et peut-être même mieux, on espère peut-être trouver des grains pré-solaires, c'est-à-dire des grains qui ont été formés avant même que le système solaire se forme, ce qui nous donnerait des enseignements sur le contexte astrophysique dans lequel le système solaire s'est formé. Et enfin, parce qu'on a choisi un astéroïde carboné, on espère aussi avoir capturé de la matière organique et on voudrait vérifier, donc de la matière carbonée, hein, et on voudrait vérifier si celle-ci a une certaine compatibilité ou cohérence avec celle qui nous constitue. Parce qu'à la fin de la formation de la Terre, on sait qu'il y a eu beaucoup d'impact de petits corps et il est possible que ces petits corps aient amené tous les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Donc on voit qu'on a deux grands challenges, c'est comprendre la formation planétaire et même la formation du système solaire, et puis ensuite comprendre l'apparition de la vie sur Terre. Et c'est finalement ces échantillons-là qui sont peut-être les meilleurs traceurs de toute cette histoire. Alors on comprend là, à quel point ces échantillons sont précieux. D'ailleurs, en fait, ce n'est pas grand-chose, c'est des poussières, on en a quoi, quelques centaines de milligrammes, c'est ça? Alors le but pour que la mission soit considérée comme un succès, pour moi elle l'est déjà, mais par la JAXA, c'est qu'on récolte au moins 100 milligrammes. Moi, je fais le pari qu'on a plus, je me lance, peut-être jusqu'à 1 gramme, vu que les récoltes ont vraiment bien réussi. Et en fait, il ne faut pas grand-chose pour les collègues cosmochimistes, et j'en profite pour signaler qu'en France, nous avons une communauté de cosmochimistes qui sont ceux qui analysent les échantillons, qui est très performante et qui est donc très demandée, puisque beaucoup participent aux premières analyses qui vont avoir lieu de ces échantillons. Et en fait, avec très peu de matière, on arrive à faire plein de choses, à mesurer avec des grands détails la composition élémentaire, à mesurer aussi, à dater ces échantillons, et finalement à permettre d'avoir une connaissance complète de ces échantillons, sachant aussi que 70% sont gardés pour les générations futures, qui bénéficieront d'instruments en laboratoire encore plus sophistiqués et permettront d'aller encore plus loin. Donc en fait, c'est une véritable richesse, même avec si peu, parce que non seulement on va répondre ou contribuer à répondre à des grandes questions, mais aussi on va permettre à des générations de chercheurs de vivre avec passion cette aventure.
Alors là, c'est le moment, vraiment le point d'orgue. On est à 20 minutes finalement de l'entrée dans l'atmosphère de la capsule. C'est vraiment le point d'orgue de la mission, mais il y a quand même eu beaucoup de points forts dans cette mission absolument extraordinaire. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Revenir rapidement, lorsque la mission a été lancée en 2014, on ne connaissait pas grand-chose de cette cible que vous avez derrière vous, hein, l'astéroïde Ryugu, qui est votre fond d'écran. Qu'est-ce qu'on sait alors quand on lance Hayabusa 2 vers ce petit corps? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Alors, comme souvent avec les petits corps, depuis la Terre, on ne sait pas grand-chose. Les observations depuis la Terre sont très importantes, hein, je ne veux pas les minimiser. Elles permettent de faire des statistiques sur des grands nombres d'objets d'informations de base. Mais en l'occurrence, si je parle de Ryugu, on avait un modèle de sa forme qui n'était pas très bien contraint. On savait que c'était un astéroïde carboné, ça c'était l'essentiel, et qui tournait relativement lentement sur lui-même, en 7,7 heures, ce qui permet de faire des opérations à proximité, certes délicates, mais pas complètement folles. On verra que ça risque d'arriver plus tard dans la mission étendue d'Hayabusa 2. Mais on n'avait aucune connaissance de ses propriétés de surface. En savoir, est-ce qu'il y avait des rochers, est-ce que c'était du sable, est-ce que c'était une roche monolithique, ce qui est évidemment très important pour les ingénieurs qui conçoivent les missions, parce que pour récolter un échantillon, c'est pas la même chose si j'ai affaire à une roche dure ou à des galets sur la promenade des Anglais ou alors à du sable comme à Saint-Tropez. Donc du coup, ça, ce sont tous les problèmes qu'on a quand on lance des missions d'exploration. C'est qu'il faut, les scientifiques, par définition, s'ils y vont, c'est parce qu'ils connaissent pas grand-chose et ils veulent apprendre. Mais les ingénieurs qui conçoivent les missions, ben, il leur faut des connaissances pour savoir comment concevoir la mission. Et on ne savait pas grand-chose. Et nous sommes arrivés, donc on est parti le 3 décembre 2014, hein, donc c'est vraiment il y a 6 ans à 2 jours près. Et ça commence à dater. Et on est arrivé le 27 juin 2018. Je peux vous dire que l'impatience, elle était énorme parce que ça fait des dizaines d'années, je ne suis pas très vieux, mais quand même, que j'attends de voir les premières images d'un astéroïde carboné. Parce que c'est un des objets les plus intéressants, parce que c'est des objets, ils sont très sombres, ils sont potentiellement riches en ce qu'on appelle les minéraux hydratés, donc qui ont vu l'eau, donc ils ont été formés très loin du soleil, ils ont peu chauffé, donc il y a plein d'informations. Et quand on arrive les premiers jours et qu'on a les images, c'est incroyable. C'est à décrire, je crois que ce n'est pas possible, parce qu'en fait, on est comme des explorateurs qui explorent des nouveaux territoires, mais là, on est dans des environnements très différents de ceux de la Terre. Donc du coup, il y a non seulement la surprise du nouveau territoire, et puis en plus la surprise de comportements de surface, etc., qui ne sont pas du tout attendus et qui défient notre intuition. Donc quand on arrive, on commence par rien comprendre. On voit des choses. Qu'est-ce que c'est ? Et d'ailleurs, donc les premières images ont révélé cette forme étrange. Alors, étrange pour nous, pour vous, elle n'était pas tant que ça. Finalement, on la retrouve aussi sur Bennu, l'astéroïde qui a été exploré par la sonde américaine Osiris-Rex. Mais ce qu'on voit surtout, et vous parliez des inquiétudes des ingénieurs, c'est un corps complètement chaotique. Et on s'est posé la question, enfin, vous êtes posé la question de savoir si la mission allait pouvoir aller à son terme, à savoir, il fallait collecter quand même de la matière. Absolument. Et en fait, les Japonais voulaient aller très vite, hein, puisqu'il a fallu choisir les sites d'atterrissage en août, alors qu'on est arrivé en juin et qu'on comprenait toujours rien de ce qu'on voyait, parce qu'ils avaient donc un agenda assez rempli, puisqu'il n'y avait pas que les récoltes d'échantillons. Et la première chose qui nous a surpris, mais agréablement, c'est de se rendre compte que ces objets-là présentent une richesse géologique qui était inattendue. Il y a une diversité, on n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'on voit d'ailleurs. Hein. On a des roches qui ne se ressemblent pas, qui ont des morphologies très différentes, sachant qu'on n'est pas sur Terre, il n'y a pas l'érosion due au vent, il n'y a pas beaucoup de processus qui ont lieu sur Terre, qui ont lieu sur Terre, qui expliquent les différences que l'on voit là, alors qu'on a autant de différences. Et en plus, on avait des rochers de partout. Et le problème, c'est que la précision à l'atterrissage pour prendre des échantillons était basée sur celle de la première mission Hayabusa 1, parce que sur Hayabusa 1, on avait vu que, et d'ailleurs sur les astéroïdes qu'on avait vus jusqu'à maintenant, il y avait toujours des zones d'à peu près 50 mètres dans lesquelles il n'y avait pas trop de rochers, donc on pouvait se poser. Là, il n'y avait pas de zone plus grande que 10 mètres pour se poser. Donc on a commencé à chercher si on voyait des zones plus grandes que 10 mètres. On avait une contrainte, c'est que les rochers devaient être peut-être plus hauts que 70 cm, allez, mettons 1 mètre. Mais quand on est à distance, on a une vision de deux dimensions finalement. Donc, calculer une hauteur de rocher, c'est compliqué. On joue avec les ombres. C'est là que Brian May, le guitariste de Queen, nous a aidés. Parce que je suis allé le voir. Il donnait un concert à Milan avec des images de l'astéroïde. Et il m'a fait, sur son ordinateur, 5 minutes avant le concert, des images stéréo
qui, avec des lunettes, nous permet d'avoir une vision 3D. Et c'est comme ça qu'on a commencé à pouvoir estimer les tailles des rochers. Et bien sûr, après, les collègues japonais ont pris le relais. Mais on n'avait toujours pas trouvé des zones plus grandes que 10 mètres. Donc, ça a vraiment été une grosse source d'inquiétude. Et les Japonais ont dû, évidemment, travailler pour revoir leur stratégie de descente pour pouvoir passer de 50 mètres à 10 mètres, sachant que la façon de le faire le mieux, c'est de ramener le satellite, le reconstruire et faire autrement. Mais non, là, on est à 300 millions de kilomètres. Il faut tout réinventer. Il faut tout réinventer et s'adapter en temps réel avec, en fait, des algorithmes. Donc, c'est très compliqué. Et ils ont réussi. Cette mission, d'ailleurs, avant de se poser, il y avait eu, vous l'aviez dit, deux ou trois largages de rovers, d'ailleurs, dont un rover franco-allemand, le CNES a été impliqué là-dedans. On a eu donc des vues du sol de Ryugu par des petits rovers. On a appris des choses avec ces expériences aussi ? Absolument. Alors déjà, le plaisir, c'est moi qui ai eu la chance d'être dans Hayabusa 1, et Hayabusa 1 qui a été une mission de démonstration technologique qui est revenue avec des échantillons, mais dans laquelle il y a eu des péripéties, enfin c'est d'Indiana Jones à côté, c'est de la gnognotte. Il y a eu tellement de surprises et de problèmes. Et là, à chaque fois qu'on avançait dans Hayabusa 2, on comparait le journal de bord d'Hayabusa 1 et cette fois-ci tout était vert. On réussissait tout ce qui avait foiré entre guillemets avec Hayabusa 1. Et en particulier, le 21 septembre 2018, on déployait des mini hoppers qu'on appelle les Minerva sur Ryugu et qui nous ont donné les premières images de surface d'un astéroïde carboné, nous montrant vraiment là, pour le coup, confirmant qu'il y avait des rochers partout, une absence de grains très fins, ce qui scientifiquement n'était pas très compréhensible pour nous. Et c'était déjà un succès énorme comparé à Hayabusa 1, qui avait essayé de déployer ces mêmes Minerva, mais ils avaient raté l'astéroïde. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on réussit une opération, quand on fait une mission d'exploration, ça j'insiste là-dessus, c'est presque un miracle, même si évidemment qu'on espère la réussir et que heureusement ça réussit. Mais il y a tellement de raisons pour lesquelles ça peut ne pas fonctionner. En particulier dans ces environnements où il y a très peu d'attraction, où l'astéroïde est petit, il attire très peu, donc la petite erreur de précision ne pardonne pas. Et là, donc, le fait que c'est réussi, j'étais content pour l'équipe qui attendait ça depuis 2005, où ça, ils avaient vu leur petit Minerva continuer dans l'espace. Et donc, après, en octobre, on a déployé donc Mascot, qui est un atterrisseur développé par le CNES, l'Agence spatiale française, et l'EDR, l'Agence spatiale allemande, en cas d'une coopération, et qui nous ont fourni, alors là, évidemment, les instruments plus sophistiqués ont permis d'avoir des images vraiment très hautement résolues d'un caillou de surface, et de faire même des mesures de température. Donc déjà, ces deux premières opérations ont été un succès extraordinaire. Évidemment, après, on attendait la récolte d'échantillons. On a sacrifié une première récolte en octobre pour faire un exercice avec cette nouvelle stratégie de descente, dont je ne parle pas, mais si vous me posez la question, vous écrirez, et pour la décaler au mois de février 2019. Donc il a fallu patienter et puis s'entraîner pour l'équipe d'opération à s'assurer que la nouvelle stratégie fonctionnait. Et en février, j'avais la chance d'être dans la salle d'opération puisque j'étais membre du mécanisme de récolte lui-même et seul non japonais au moment de la descente. J'avais des collègues de la NASA qui étaient derrière une vitre. J'étais un peu désolé pour eux. Ils sont venus après, évidemment, dans la salle pour célébrer. Et là, c'est là qu'on se rend compte de la complexité des opérations. Ça a duré 24 heures. Et du fait que même si ça a réussi, tout n'a pas été smooth, comme on dit en anglais, enfin lisse. Il y a eu, oui, évidemment, un souci de pointage d'antenne, je me souviens un petit peu avant, ça a été compliqué. Finalement, ça a fonctionné et ça a tellement bien fonctionné que le reste de la mission est extraordinaire. On peut peut-être parler aussi de ce tir qui a eu lieu, un bolide qui a été propulsé pour créer un cratère. J'avais interviewé, je me souviens, Makoto Yoshikawa au moment du lancement de la sonde et il m'avait expliqué, j'avais posé la question de savoir quelle était pour lui l'opération la plus risquée. Il m'avait dit c'est ça l'opération la plus risquée, c'est quand on va tirer ce boulet parce qu'il ne faut pas que la sonde soit impactée et elle était déplacée. Comment vous avez vécu ce moment-là ? Alors, j'étais aussi dans la salle d'opération parce que j'étais membre aussi de l'équipe du mécanisme, enfin de l'expérience d'impact, le Small Carry-On Impactor, comme on dit en anglais, avec une chance extraordinaire. Ça s'est passé le 5 avril 2019 et il y avait un pic de cerisier en fleurs à ce moment-là à Tokyo, sachant que ça dure toujours 5 jours et qu'il est arrivé un peu en retard par rapport à d'habitude. Donc, tout était ouvert. Mais là, il y avait vraiment une tension. Encore, alors, pour la récolte, bien sûr, mais encore plus là, parce que, en fait, la façon dont ça fonctionnait, c'est que la sonde se mettait à quelques centaines de mètres de distance de l'astéroïde et déployait une boîte. Et cette boîte contenait un explosif. Et c'est l'explosion qui allait donner l'énergie cinétique à un projectile de 2 kg pour taper à 2 km par seconde sur la surface.
Avec, entre-temps, donc en fait, la sonde déploie cette boîte, elle commence à s'éloigner de l'astéroïde pour se protéger derrière, et en s'éloignant, elle déploie une caméra, une petite caméra, un petit CubeSat qui va observer l'impact. Donc on a plein d'opérations risquées. Il y a d'abord le déploiement de la boîte qui ne doit pas exploser trop tôt avant que la sonde s'en aille. Il y a ensuite cette petite caméra, c'est la première fois qu'on déploie un truc comme ça dans l'espace, et ensuite elle se met derrière. Et là, on attend. Et je peux vous dire que c'est horrible. Parce que d'abord, il y a une différence de 20 minutes hein, pour dès qu'on cherche un signal. Et puis ensuite, avoir les premières images de savoir ce qui s'est passé, ça prend encore quelques heures. Et je me souviens être au Japon, dans cette banlieue de Tokyo, à Sagamihara, là où il y a le centre, où d'ailleurs arriveront les échantillons aussi, et à attendre ça, et le bonheur quand on voit la première image des particules éjectées de la surface qui montrent que le projectile a bien tapé l'astéroïde et va nous donner évidemment des informations sur le cratère. Il a encore fallu attendre, il faut être patient dans le spatial, hein. Il a encore fallu attendre 2 semaines parce qu'on voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de poussière qui était encore dans l'environnement de Ryugu dû à l'impact. 2 semaines pour que la sonde revienne et nous montre un cratère qui était bien plus grand que tous les calculs, dont ceux que je fais moi-même, prédisaient. Ce qui nous montre bien que cette physique des impacts dans des régimes de si faible attraction est encore un grand défi à relever pour la comprendre et pour la calculer. Alors, tant qu'on est à 10 minutes justement, parce que nos spectateurs, on est 550 et eux, ils voient aussi en plus la retransmission du live par la JAXA. Et j'avais quelques questions du coup, alors là, vous venez d'y répondre, Patrick Michel, avec est-ce qu'il y aura plus de matière que pour la première Hayabusa en fait ? Moi je fais le pari que oui. Dans Hayabusa, le projectile, donc le mécanisme, c'est aussi un projectile, mais ce n'est pas le même que l'impacteur, c'est un petit projectile de 5 grammes qui, dans un cornet de 70 cm de haut, est lancé à 300 mètres par seconde. Et on récolte la poussière éjectée. Il y a un filtre qui ne permet pas d'avoir des particules plus grandes que 1 cm, parce qu'après, il faut que ça rentre dans les conteneurs qui sont prévus. Et d'après les images, alors dans le cas d'Hayabusa 1, en fait, le projectile n'avait pas marché. En fait, la sonde, ce qui n'était pas prévu, a tapé la surface, a rebondi et resté quelques minutes. Enfin, on connaît ça maintenant. Et c'est grâce à ça qu'on a récolté 3000 particules micrométriques, hein, ce qui nous a permis de faire de la grande science quand même. Là, tout a marché. Et quand on voit ce qui est parti sur les côtés, c'est incroyable le film de la récolte. Évidemment, dedans, on en a plein aussi. Oui. Donc, et puis, deux fois, on a fait 2 récoltes. La deuxième, j'étais contre. Hein. On a eu une réunion avec les Japonais, puisque j'étais dans le board, et je disais, attendez, on n'y va pas une deuxième fois. On est sûr d'en avoir la première fois. Tout a réussi, ce qui est incroyable, même l'impacteur. Et ils m'ont garanti que s'il y avait le moindre doute jusqu'à la fin, ils remonteraient. Et la deuxième fois, ils le refait. Donc là, je pense qu'on aura au moins les 100 mg que l'on cherche à avoir, et voire plus, puisque... Je me souviens justement d'avoir discuté avec Makoto Yoshikawa qui disait un peu l'effroi qu'ils avaient eu à l'époque pour Hayabusa 1 d'ouvrir et de voir qu'il n'y avait rien dedans. Donc là, c'est fou que ce soit la même équipe. C'est une bonne question parce que pour les détecter, des particules micrométriques, c'est un cinquantième de l'épaisseur de mes cheveux. Non, elle est un dixième parce qu'ils sont très fins les miens. Mais on ne voit rien. Donc ça a encore été tout un challenge. Alors là, je vois que sur le live, effectivement, de la JAXA, ils sont en train d'expliquer un petit peu le mécanisme. Ça ressemble beaucoup, justement, à ce que nous expliquait Adrien de Villepoix, qui est lui aussi en train d'essayer d'observer le bolide. Enfin, le bolide, il va rentrer dans 7 minutes, si les calculs de la JAXA sont bons. C'est très, très bientôt. Oui, ils sont sans doute bons, effectivement, parce que jusqu'à présent, c'était très bien. Philippe, vous êtes rédacteur en chef de Ciel et Espace, Philippe Hénarejo. Les missions spatiales, alors on les suit depuis longtemps, hein, depuis des décennies. C'est pas la première fois qu'on tente une récupération de matière extraterrestre. On vient de parler à l'instant de Hayabusa 1. Il y a eu d'autres épisodes, en fait. Non, j'ai révisé mes classiques là, avant de venir. Et si on compte les missions Apollo avec... si mes calculs sont exacts, si je n'ai oublié personne, c'est la 13e fois qu'on ramènera des choses. Parce qu'il y a eu les 6 missions Apollo, donc je passe rapidement. Il y a eu 3 missions russes sur la Lune, Luna, donc Luna 16, Luna 20, Luna 24, qui se sont étagées de 1970 à 1976. Il y a eu une mission, alors là, on parlait de microns, de microgrammes, de particules infinitésimales, mais il y en avait une qui était encore plus infinitésimale, c'était Genesis, qui est allée chercher des particules de vent solaire. Elle est partie en 2001 et elle est revenue en 2004. D'ailleurs, au retour, le parachute ne s'était pas ouvert.
Et la capsule, à peu près similaire à celle de Hayabusa 2, avait percuté le sol à quelques 300 km à l'heure. Malgré tout, il y avait eu des containers qui étaient intacts et les scientifiques avaient pu étudier le vent solaire. Donc, Genesis, il y a eu, avant ça, il y a eu Stardust, mais qui est revenu plus tard, hein, qui est parti plus tôt, mais qui est revenu plus tard. Stardust, c'était une espèce de raquette en aérogel. La sonde passait dans la queue d'une comète, la comète Vilt 2, et a récupéré des graines de cette comète-là. Donc, ensuite, ben, il y a eu Hayabusa 1, et puis il y aura Hayabusa 2 aujourd'hui. Et dans quelques jours, on va arriver au 14e retour d'échantillon, sans doute, puisque un peu plus tard dans la soirée, là, à 22h40, le moteur de Chang'e 5, qui est en orbite autour de la Lune, va se rallumer pour propulser environ 2 kg de roches lunaires vers la Terre. C'est la mission chinoise. Donc voilà à peu près où on en est. C'est pas une première au sens retour d'échantillon, mais par contre, effectivement, retour d'échantillons d'astéroïdes, oui, puisque, bon, Hayabusa 1, c'était quand même infinitésimal hein, par rapport à ce. Et il faut préciser que ce n'est pas du tout les mêmes challenges technologiques voilà. D'aller sur un petit corps qui n'a pas d'attraction, pas de gravité, par rapport à aller sur la Lune ou sur Mars, qui a bien sûr d'autres challenges technologiques, mais c'est vraiment des difficultés qui sont très différentes, ce qui n'enlève rien aux autres, hein, bien sûr. Et alors, je vais poser la question. Il y a eu deux collectes sur Ryugu. Est-ce que les deux échantillons ont été mis dans le même conteneur? Oui. Très bonne question. Non, heureusement, il y avait trois conteneurs et effectivement, ils ont été séparés. L'idée de la deuxième récolte, donc, puisque ça, on ne l'a pas dit, mais après l'expérience d'impact, elle avait deux raisons d'être. La première, effectivement, c'était de vérifier notre compréhension de la physique des impacts. Il ne faut pas oublier que la chronologie des surfaces, c'est-à-dire pour calculer l'âge des surfaces, on compte les cratères et pour savoir combien de temps il a fallu pour les accumuler, on a besoin d'une relation entre la taille des projectiles et la taille du cratère. Et si on a faux dans cette relation, les âges sont complètement faux. Et ça vaut pour la Lune, ça vaut pour tout ça. Donc cette expérience-là était aussi essentielle pour mieux calibrer cette relation. Et ensuite aussi, c'était de révéler du matériau de sous-surface. Parce que le matériau qui est à la surface, il est exposé à ce qu'on appelle l'érosion spatiale, c'est-à-dire au rayonnement solaire, au bombardement des micrométéorites, qui peut un petit peu les transformer, pas chimiquement, mais peut faire des choses. Et donc, on voulait aussi avoir du matériau de sous-surface qui, lui, n'a jamais vu le soleil en principe, et donc nous permet de faire une comparaison. Et donc, la deuxième récolte, on l'a faite à proximité du cratère. Et là, on espère récolter du coup du matériau sur surface. Donc, il est effectivement important de l'avoir bien séparé. Sinon, on ne peut pas faire la comparaison. On ne sait pas d'où voilà, on vient. Je me demandais parce que je savais que la deuxième collecte avait eu lieu à proximité du cratère pour avoir ce matériau un peu plus frais, en tout cas, initialement. Mais si on met tout dans le même sac en mélangeant, ça risque d'être difficile à l'arrivée. Absolument. De même, il y a une toute petite chose aussi, c'est que, évidemment, les échantillons, quand la capsule va taper le sol, il y a un choc. Donc, ils vont aussi avoir peut-être subir quelques altérations mécaniques. Mais encore une fois, pour tout ce qui est composition chimique, là, pour le coup, on est assez sûr qu'on retrouvera la capsule. À quelle vitesse elle va toucher le sol sous le parachute, a priori? Alors, elle devrait toucher à 0,1 mètre par seconde. C'est ça, oui. Donc, c'est vraiment très, 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 très lent. Oui, mais... pour rappel, quelques chiffres. Hein, donc, les chiffres qui ont été communiqués par la JAXA. Donc, à 28, donc dans 2 minutes, elle devrait entrer dans l'atmosphère à 11,6 km par seconde, donc 42 000 km/h. Je vous ai épargné les centaines. On va avoir un gros freinage. C'est la période du fireball, ce que évidemment, notamment Adrien Villepoix qu'on avait tout à l'heure va essayer d'observer de façon optique, de façon avec des radars aussi, parce qu'il y a des émissions radio qui se font à ce moment-là, et aussi au niveau des infrasons, parce qu'il y a aussi des propagations d'ondes sonores dans l'atmosphère. Donc là, un gros ralentissement, ça va durer. Si je regarde, ça dure moins d'une minute finalement, et entre 80 et 40 km d'altitude. Le contact avec l'atmosphère est à 120 km d'altitude, d'après ce que j'ai lu des dernières minutes. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment une grande émotion pour toute l'équipe, parce que c'est vraiment le point final, j'allais dire, de cette première aventure, puisqu'on va en parler ensuite à Hayabusa de repart. Mais c'est vraiment le point final, sachant que
aller quelque part, maintenant on sait faire depuis, les missions Voyager ont même passé le système solaire, mais faire des allers-retours, c'est très compliqué, parce qu'il faut s'assurer qu'une fois qu'on est sur place, la sonde, on la garde intacte pour pouvoir refaire le voyage de retour. Et puis là, pareil, quand on revient, il faut avoir des corrections très fines de la trajectoire pour s'assurer que la capsule, on va la mettre dans un couloir de réentrée dans l'atmosphère qui est le bon. C'est vraiment, par rapport à tirer sur une cible avec un fusil, ce sont des opérations qui restent quand même très complexes jusqu'au bout. Et là, dernière incertitude, ça va être pareil. Justement, alors a priori, dans une seconde, elle devrait entrer. Alors, on n'est pas à la seconde près, évidemment. On a les caméras de la JAXA braquées sur le ciel et on attend tous. Il faudra à peu près, effectivement, un peu plus d'une minute pour freiner. Le freinage le plus intensif, d'après ce que j'ai compris, va avoir lieu entre 80 et 40 km altitude. Pendant cette minute, bon, évidemment, le bouclier thermique va protéger, c'est de l'ordre de 3000 degrés autour. Et par contre, la vitesse va passer de 11,6 km/s à 3 km/s à ce moment-là, 40 km altitude. C'est pour savoir ce qui va se passer. À ce moment-là, il y a un aérofreinage qui continue. On le voit sur l'image. Voilà. Ah oui, on le voit, magnifique. Splendide. On voit la petite capsule. Alors là, en fait, c'est très intéressant parce que justement, pour notre collègue qui est en Australie, la traversée d'un météore dans l'atmosphère est aussi une physique extrêmement compliquée qu'on essaie de modéliser parce qu'on apprend beaucoup de choses lors de ces traversées. Et là, on a une expérience contrôlée, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque là, on a toutes les connaissances du bolide. Alors là, ce que vous voyez, c'est la salle d'opération. Je pense que c'est ça que vous voyez, avec Yuichi Tsuda, qui est le monsieur qui est le premier là assis, qui est le chef des opérations, quelqu'un extraordinaire, un jeune collègue, qui donc a mené, dirigé toutes les opérations d'Hayabusa 2. Ils sont tous là maintenant, dans cette salle où j'ai eu le bonheur d'être lors de la récolte. C'est la même salle qui est donc à Sagamihara, là où seront d'ailleurs ramenés les échantillons, puisque c'est là qu'est le centre de conservation. Vous devez voir à gauche, toujours sur l'écran, c'est Makoto Yoshikawa, celui qui est debout à gauche. Et qui est donc aussi l'un de ceux qui dirigent les opérations. Donc là, ce sont tous les collègues japonais. Ah non, Makoto, je le vois là, pardon. Oui, il est au fond. Maintenant, il est au fond. Parce que bon, avec le masque en plus, ils se ressemblent tous. Donc c'est plus difficile. Là, on les voit admirer la capsule. Ça y est, ils la voient. Ils sont contents là, oui. ils sont contents. C'est vraiment le. Est-ce qu'il y a des questions de voir que tout marche? Il y a peut-être des questions, Adrien, sur le chat, peut-être? Non, les gens sont assez contents. Ils disent « Oh, la belle planète, j'adore l'ambiance de la salle des opérations ». Les gens qui disent « Bravo à JAXA pour cette émission ». On imagine l'émotion de ces chercheurs. Et d'ailleurs, on imagine aussi votre émotion, Patrick Michel, vous dites, c'est une mission qui ne se termine pas. On va voir ça tout à l'heure. Mais en tout cas, là, c'est carton plein. C'est ça, tout a fonctionné. En fait, il y a deux accouchements. Il y a le lancement, parce que le lancement, on s'extrait de la Terre, on sort le bébé. Qui va aller à la rencontre. Non, mais c'est vraiment. Enfin, bon, je ne suis pas une femme, je ne sais pas comment se passe un accouchement. Enfin, à mon avis, c'est moins plaisant. Mais le lancement, en plus, on va le voir en famille en général, c'est un moment vraiment d'émotion. Et puis là, c'est un deuxième accouchement, Hayabusa 2 qui accouche de ses échantillons dans l'atmosphère. Et on attend ça. On est parti. Alors, la sonde est repartie en novembre 2019, donc ça fait un an qu'elle est repartie. Et que donc, finalement, maintenant, on est encore plein de données où on essaie de. Enfin, on en a pour des années d'études à comprendre encore Yugu et toute son histoire. Il faut dire que l'avantage qu'on a avec ces échantillons par rapport aux météorites, par exemple, qui nous renseignent énormément sur l'histoire aussi du système solaire, mais l'avantage, c'est qu'on a le contexte géologique d'où ils viennent, puisqu'on a pu étudier cet astéroïde en détail. Et évidemment, pour interpréter ces échantillons, c'est très important. Un géologue, il a besoin de savoir où est-ce qu'on a pris un bout de caillou. Et donc là, le fait qu'on ait on est en train de reconstruire l'histoire de l'objet, on aura les échantillons, on saura où on les a pris, on peut vraiment raconter toute une histoire depuis la formation du système solaire jusqu'à maintenant. Parce que Ryugu nous donne un... Oui. Parce que le bouclier a dû se séparer et le parachute doit se déployer. La prochaine phase critique, en fait, c'est maintenant. C'est l'ouverture du parachute qui se fait a priori à 100 mètres secondes, à peu près à 10 km altitude. Ce qui est absolument fou dans ces moments-là, c'est que c'est des moments où on ne contrôle plus rien. Il n'y a plus qu'à. Et en fait, on est dans la salle d'opération
et on ne fait que admirer les fesses très serrées, ce qui est en train de se passer. Mais là, il faut, alors les psychologues parlent de lâcher prise. Là, vous pratiquez le lâcher prise parce que de toute façon, il y a plus rien. Ça y est, c'est lancé et c'est les lois de la physique et ce qui a été préparé qui doit marcher en espérant que tout marche bien. Donc c'est pour ça que là, on les voit, ils sont debout, ils regardent et évidemment très tendus. Et à chaque moment où il se passe quelque chose, c'est un tel soulagement que évidemment, c'est des applaudissements. Alors, vous parliez de loi de la physique. Alors, on était dans les lois de la balistique hors atmosphère. Maintenant, on est dans l'atmosphère. On vient de déployer un parachute et donc on est un peu dans les lois de l'hydrodynamique, j'ai envie de dire. En tout cas, la météo va prendre un rôle très important. Il y a une ellipse d'arrivée de 100 à 150 km qui est donc l'ellipse dans laquelle on pense que la capsule va arriver sous son parachute. L'incertitude, c'est essentiellement finalement l'état des couches de l'atmosphère et puis le vent en altitude, le vent au sol. On a vu qu'il y a eu un peu de vent, mais que finalement, Adrien de Villepoix nous disait que ça s'était quand même pas mal calmé. Donc, on peut déjà espérer qu'elle sera dans l'ellipse, mais qu'elle sera même assez proche du centre de l'ellipse, a priori, et que donc, on n'aurait pas trop galéré, si j'ose dire, dans le désert australien pour la récupérer. Il faut espérer que les kangourous ne la trouvent pas avant. Et ne l'emportent pas. En principe, donc, ils devraient la trouver assez facilement. Enfin, encore que là, il fait encore nuit. C'est nuit, je pense, là-bas. En Australie. Ouais. Donc ça, il va falloir peut-être encore attendre un peu. Mais normalement, ils devraient la trouver. L'avantage de ce point de vue-là, c'est qu'ils ont déjà une première expérience avec Hayabusa 1, puisque c'était exactement le même principe. Et ils ont réussi à la retrouver. Donc ça serait quand même bête que tout ait réussi sur Hayabusa 2 et que ce soit le point final. Mais là, j'ai pas trop d'inquiétude. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont la ramener dans le centre d'Australie, dans le désert, pour voir s'il y a des gaz qui s'échappent, qui pourraient venir du dégazage d'éléments volatiles, d'ailleurs, des échantillons. Sachant que pour le reste, la capsule est vraiment protégée de l'atmosphère terrestre, parce qu'évidemment, on ne veut pas que l'atmosphère terrestre altère chimiquement les échantillons. Les échantillons, eux, ne posent aucun risque par rapport à une contamination pour nous, parce que c'est de la matière inerte qu'il y a sur un astéroïde. Ils n'ont pas d'atmosphère, ils n'ont pas d'océan, d'eau liquide. Donc, on est sûr qu'il n'y a rien qui pose un problème pour nous. En revanche, nous, on pose un problème pour eux. Donc, la capsule ne sera ouverte que lorsqu'elle sera ramenée au Japon, au centre de Sagamihara, au centre de conservation, avec toutes les précautions d'usage, pour s'assurer qu'ils seront conservés tout le temps à l'abri de l'atmosphère, y compris pour les analyses ensuite qui se feront dans le futur. Et donc, je voyais qu'il y avait des questions qui demandaient, ce serait combien de temps? Alors, dans combien de temps est-ce qu'on aura les résultats de Alors, en fait, donc la capsule va retourner au Japon dans les jours qui viennent. On commencera à avoir des analyses qui vont être faites à partir de mi-décembre ou un peu plus, parce qu'il y a une première aussi analyse de la capsule toujours fermée par le gouvernement japonais qui va être faite. Donc, au cours du mois de décembre, il y a ce qu'on appelle une preliminary examination team, donc une équipe d'examen préliminaire qui va commencer à détecter les échantillons, s'il n'y en a pas beaucoup, à les cataloguer, etc., pour commencer les analyses. Donc, ça va aller très vite. Il y a des Français impliqués dans cette équipe préliminaire. Je ne sais pas s'ils peuvent d'ailleurs y aller à cause du Covid. Mais très vite, en tous les cas, les analyses vont commencer vont être cataloguées. Et ensuite, c'est au bout de... Je ne sais plus quelle est la phase prioritaire qu'on a prévue pour Hayabusa 2, mais typiquement, c'est un an où là, après, il y a des appels d'offres pour analyser dans le monde entier les échantillons sur la base de réponses à ces appels, de propositions et de sélections par un comité, etc. Alors, pendant qu'on parle, là, la capsule est en train de faire du parachutisme, elle est sous son parachute. Ça va prendre plusieurs minutes de se poser, puisque là, on descend assez lentement, le parachute s'est ouvert vers 10 km d'altitude, et donc ça pourrait intervenir entre 45 et presque 19 heures, là, 18h45 et 19 heures. Donc on attend ça, mais pendant qu'on devise aimablement, eh bien, les échantillons sont en train de se balader dans l'air, dans la nuit australienne. C'est un moment vraiment, vraiment historique. Hein. C'est encore une fois les Japonais, la persévérance. Et vraiment, ça démontre qu'il ne faut pas être trop conservatif, ce qu'ont tendance à faire les agences spatiales, tant pis si elles m'écoutent, à vouloir trop minimiser les risques. Ça fait monter les coûts, ça augmente les délais, on fait moins de missions. Et au final, quand on voit Hayabusa 1 qui n'a pas coûté très cher, Hayabusa 2 non plus, avec deux missions, d'abord on a fait deux
grande science. Et puis si la première n'a pas bien marché sur tous les aspects, eh bien ça a permis aux Japonais d'apprendre et du coup de faire une mission absolument magnifique qui n'a eu que des succès. Alors que ce n'était pas facile, c'est-à-dire que c'est ça, le succès, encore une fois, il est dû à la persévérance, à la flexibilité en temps réel, ce qu'ont fait aussi les Américains avec Osiris-Rex. Ils ont eu les mêmes problèmes avec Bennu, la quantité de rochers, ils ont dû revoir aussi leur stratégie de descente. Donc à chaque fois, il faut être prêt à devoir se réadapter, à trouver des nouvelles façons de fonctionner. Et là, on voit qu'effectivement, ça marche quand on fait ça, et ça vaut le coup d'avoir un certain héritage en faisant plusieurs missions. Ce que sont en train de faire finalement les Chinois, parce que les Chinois, ce qu'ils font, c'est de la démonstration technologique. Mm-hmm. Pour l'instant, leur but scientifique, ils ne sont pas clairs, parce qu'ils ne les ont pas même clairement en tête eux-mêmes. Hein, et je suis allé en Chine l'année dernière, je commence à connaître un peu mes collègues chinois qui sont extrêmement performants, qui apprennent très vite scientifiquement. Maintenant, ils commencent à avoir des bons scientifiques. Hein, mais ça a pris du temps. Ils ont commencé à se lancer dans le spatial avant ça parce qu'ils ont compris l'intérêt de faire des démonstrations technologiques et de faire du gagnant-gagnant, c'est-à-dire des démonstrations technologiques qui, si elles marchent, permettent d'avoir aussi un retour scientifique. Donc là, on voit le résultat de ça côté japonais. Et c'est extraordinaire, sachant que c'est vraiment une petite équipe. Hein, l'équipe japonaise, c'est... Waouh, c'est un petit bâtiment. C'est vraiment génial. Pendant ce temps-là, sur le live, il remontrait encore d'ailleurs les images de la rentrée. Ouais. Est-ce qu'on a des questions, peut-être, Adrien, sur le chat? Pas exactement. Il y a des gens qui demandaient plutôt la taille de l'enveloppe de l'échantillon. C'est vrai que je sais pas trop le chiffre. La taille de l'enveloppe de l'échantillon, ça veut dire la capsule, peut-être, j'imagine, peut-être. La capsule elle-même fait 40 cm. Ah, la capsule, elle fait 40 cm de 40 diamètre. Cm, ça, ouais. Et à l'intérieur, donc, il y a les containers, il y a évidemment plein de choses pour s'assurer que, enfin, faire que c'est une capsule de réentrée. Donc, il y a plein d'instruments électroniques, etc. Mais il y a les trois petits conteneurs. Elle fait 40 cm. Elle n'est pas très, très grande, hein, en fait. Hein. Il y a d'autres technologies de capsule sans parachute, où cette fois-ci, on met un matériau écrasable qui va absorber le choc à l'arrivée. Mais alors, dans ce cas-là, elle est beaucoup plus grosse. Et évidemment, la contrainte très importante, c'est d'arriver avec un angle d'entrée dans l'atmosphère qui permet d'arriver à une vitesse qui est en dessous ou au plus de 12 km par seconde, parce qu'après, il faut une autre technologie pour entrer dans l'atmosphère, parce qu'évidemment, les frottements sont encore plus conséquents. Donc là aussi, c'était quelque chose de très sensible. Donc, d'avoir la bonne nouvelle de l'arrivée sur Terre des échantillons, ça ne devrait plus trop tarder, j'espère. Intéressons-nous à la sonde elle-même, parce que là, on a parlé de la capsule, hein, c'est une capsule simplement qui vient de traverser l'atmosphère, mais la sonde Hayabusa 2, elle est toujours en forme, elle vient de passer très, très, très près de la Terre, à 300 km à peu près, elle s'éloigne désormais maintenant. Alors, c'est quoi la suite de la mission Hayabusa 2 ? Est-ce qu'on peut encore s'attendre à d'autres succès ? Oui, enfin, on s'attend à d'autres surprises en tout cas, et j'espère des succès. Effectivement, donc Hayabusa 1 s'était simplement consumé dans l'atmosphère. Hayabusa 2 a assez d'énergie pour pouvoir repartir, donc elle est munie de panneaux solaires, elle a une propulsion électrique avec un gaz du xénon, et donc ses grands panneaux solaires, et puis la propulsion chimique aussi pour ajuster. Et donc il y a encore assez d'énergie pour faire une mission étendue. Alors on a discuté pendant un an, pour savoir ce qu'on faisait, on a regardé les cibles qui étaient accessibles, les autres astéroïdes. Bien sûr, on a des contraintes de mécanique céleste, on ne fait pas ce qu'on veut. Et puis finalement, pour le faire court, on a retenu un scénario qui a été proposé à la JAXA et qui a été validé, qui est absolument génial, parce qu'on va faire un survol d'un premier astéroïde en 2026, qui a un type, sur la base des observations depuis la Terre, qui n'est pas très bien compris. Un type spectral, comme on dit, donc des compositions pas très bien comprises, type L pour les experts. Donc, ça sera très intéressant d'avoir des images avec un survol de cet objet-là. Mais bien sûr, avec un survol, on ne fait pas grand-chose à part avoir des images, qui est déjà crucial, hein, parce que depuis la Terre, on ne les a pas. On a appris beaucoup de choses avec des images d'astéroïdes. On a vu Lutetia, Stein pour Rosetta, par exemple. Ensuite, 2031, on va faire un rendez-vous. Donc, en mécanique céleste, en termes d'opération, c'est plus compliqué. Un rendez-vous avec un tout petit astéroïde de 30 mètres estimé de diamètre. 30 mètres, c'est rien. Et qui tourne sur lui-même en 10 minutes. C'est-à-dire qu'on voit un lever de soleil tous les 10 minutes, un coucher de soleil tous les 10 minutes. Donc, ça veut dire tous les 5 minutes, on a un lever, un coucher. Donc, le jour dure 10 minutes.
au lieu de 24 heures. Donc, si vous êtes confiné 60 jours, ça passe beaucoup plus vite. En revanche, vous ne restez pas sur l'astéroïde parce que s'il tourne en 10 minutes sur lui-même, vous vous mettez à l'équateur, vous giclez tout de suite parce que la force centrifuge dépasse mais bien la gravité, ce qui veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un caillou dans l'espace aussi petit qui tourne sur lui-même aussi vite. Est-ce que c'est un monolithe, un corps parfaitement solide? Est-ce qu'un objet avec un peu de cohésion, mais pas trop, peut survivre? D'après les calculs, oui, mais il faut le vérifier. Donc, en fait, on ne sait rien sur ce genre d'objet. Et être capturé pour faire un rendez-vous avec un objet de 30 mètres, c'est un truc de fou. Donc, moi, je suis super content parce que d'abord, ça va nous répondre à des questions scientifiques énormes. C'est que dans les calculs, quand on calcule la destruction d'un astéroïde, tous ces objets que l'on voit comme Ryugu sont au moins de deuxième génération, c'est-à-dire qu'ils sont nés de la destruction d'un corps plus gros. Et dans nos calculs, et j'en fais, de destruction d'astéroïdes, on a des résolutions qui nous permettent d'atteindre des fragments à peu près 200 mètres, 100 mètres peut-être. 30 mètres, on ne sait pas ce que c'est parce qu'on ne les atteint pas dans les calculs. On n'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc, savoir exactement ce que sont les... Des astéroïdes, il y a des météorites de 30 mètres qui tombent sur Terre. Est-ce que c'est ce genre de corps, finalement? Alors, c'est une très bonne question. En fait, pas nécessairement, parce que déjà, les météorites, elles représentent un biais. Il n'y a que le matériau le plus résistant qu'atteint la Terre, et on perd le matériau le plus fragile. D'ailleurs, 99% typiquement de la masse est perdue dans l'atmosphère. Donc, il est probable, et d'ailleurs, on va le savoir avec les échantillons de Ryugu, est-ce qu'on va ramener une météorite qu'on a déjà dans notre collection, une chondrite carbonée? Et dans ce cas-là, on pourra dire qu'effectivement, en dépit du biais dans l'atmosphère qui filtre la partie la plus résistante, peut-être qu'elle est représentative de tous les objets. J'ai fait un pari avec un collègue, Alessandro Morbidelli, lui pense que ça sera le cas. Donc, on a un restaurant à la Tour d'Argent à la clé, après la pandémie. Mais peut-être qu'on filtre, et c'est ça qu'on va vérifier. Mais donc déjà, si c'est le cas, un objet de 30 mètres dans l'espace ne va pas nécessairement ressembler à une météorite. Et d'autre part, il y a une autre chose, et qui vaut aussi d'ailleurs pour les échantillons, c'est qu'une météorite, elle a été extraite de son corps parent d'une manière assez violente. Et donc, il n'est pas du tout sûr que le mécanisme d'extraction d'un corps pour créer une météorite est le même que lorsqu'on détruit un corps et que naturellement, un objet de 30 mètres en part. Donc, mais peut-être que vous avez raison, c'est une possibilité. On va effectivement voir que une météorite de 30 mètres correspond à... Mais je ne suis pas sûr qu'on ait récolté une météorite de 30 mètres dans son intégralité. Non, mais il y a des objets de ce type-là qui sont arrivés. Je pense à la Tunguska, par exemple. Enfin, on ne connaît pas la nature de l'objet. Et oui. Typiquement, ces diamètres-là, 30, 40, 50 mètres, ça arrive de temps en temps. Heureusement, pas très souvent. Alors, Chelyabinsk, il était estimé à... Il faisait 15 mètres, ouais, entre 15 et 20. Alors, ça me permet, merci Philippe de préciser ça, parce qu'en fait, effectivement, il y a une deuxième intérêt pour cet objet, c'est la défense planétaire. Parce qu'effectivement, des objets de 30 mètres, ils impactent la Terre plus fréquemment que des objets de 500 mètres. Ouais. Du fait qu'ils sont plus nombreux, les fréquences d'impact d'objets de 500 mètres, c'est de l'ordre de 200 000 ans. Un objet de 30 mètres, c'est plutôt de l'ordre de quelques siècles. On voit une très belle image de la traînée, par contre. Je fais un peu le. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est magnifique. Et effectivement, des objets de 30 mètres rentrant en collision avec la Terre plus fréquemment, mais certes faisant des dégâts beaucoup plus locaux, donc c'est moins dangereux, c'est du coup, ça reste pertinent de savoir exactement de quoi ils sont faits si on voulait s'en protéger. Donc, ou alors si on veut estimer quelle explosion ils feraient dans l'atmosphère pour évacuer une zone au-dessus duquel ils exploseraient. Et ça, on n'en a pas la connaissance. On sait que des objets de 30 mètres, comme vous le dites, ont explosé dans l'atmosphère, mais on le sait une fois qu'ils ont explosé, on n'a pas leur structure. Donc, pouvoir identifier et mesurer leur structure va être intéressant. Et la dernière chose très excitante, enfin, on dit exciting en anglais, je sais qu'en français, ça ne marche pas, mais bon, pour la fin de cette mission, c'est qu'en fait, on n'a fait que deux récoltes d'échantillons avec Hayabusa 2, et il reste, on devait en faire trois, donc il reste un petit projectile dans la sonde, et comme c'est la fin de la mission, moi, j'ai proposé aux Japonais de terminer en essayant de s'approcher de cet objet qui tourne en 10 minutes sur lui-même, donc ça va être, et de tirer le projectile pour voir ce qui se passe, sachant que ce n'est pas un projectile qui peut dévier l'objet, c'est tout petit ce qu'on va faire. Ce que j'ai compris avec les missions sur les astéroïdes, c'est que toucher un objet, c'est irremplaçable. Parce que sinon, on a du mal à interpréter ce qu'on voit. Si on ne sait pas si c'est mou, si on ne sait pas si c'est dur. Sachant que la réaction d'un corps dans ces régimes d'attraction très faibles, le comportement le comprend mal. Ce n'est pas du tout les mêmes réactions que sur Terre.
et on ne peut pas intuiter ce qui va se passer. Donc, pouvoir avoir une expérience où on va toucher le corps et voir ce qui se passe, c'est vraiment très intéressant. Peut-être qu'on posera la sonde, d'ailleurs. Hein. Enfin, elle ne restera pas, d'ailleurs, parce qu'il tourne trop vite sur lui-même. Donc elle sera Ce sera décidé à quel moment. Par exemple, votre proposition de tirer sur l'astéroïde, elle sera décidée à quel moment? Oh, ben là, on en a parlé comme ça, mais pour l'instant, c'est tellement concentré sur ce moment que vous vivez là, historique. Hein. Rappelez-vous, vous vivez un moment. Ça, c'est vraiment la chose géniale avec les missions spatiales et la communication publique, c'est qu'on permet au public de vivre des moments vraiment historiques. Pour eux, c'est un instantané. Pour nous, c'est le fruit d'efforts de. Je disais hein, tout à l'heure que depuis Hayabusa, c'est depuis 1995. Donc, ça fait 25 ans, Hayabusa, Hayabusa 2. Donc, pour nous, ce n'est pas qu'un instantané, hein, c'est un moment de vie énorme. Et donc, en fait, on n'a pas encore discuté de ça, mais dès qu'elle va repartir, une fois qu'on on se sera douché après nos sueurs, on reprendra une discussion. D'ailleurs, on reformera une équipe scientifique dédiée à cette partie étendue, et là, on verra ce qui se passe. Mais je ne vois pas des raisons pour pas qu'on le fasse, puisque c'est la fin de la mission. Et donc, de toute façon, il faut bien faire quelque chose de cette sonde, autant tenter une dernière expérience qui nous permettra d'apprendre énormément. Donc tout ça pour dire que cette mission étendue, l'aventure, elle est loin d'être finie et on va encore découvrir énormément de choses puisqu'on va voir vraiment encore un nouveau territoire dans des conditions encore très différentes de celles de Ryugu. Donc, je reviens encore une petite question du chat, c'est de Marmeléade. Ce sera quoi le Delta V pour le rendez-vous avec ce mini-astéroïde? Est-ce qu'on sait déjà ou est-ce que une Alors, heure, pas... peut-être j'ai pas l'ordre de grandeur, je suis désolé, mais ça va être extrêmement faible, hein, puisqu'il faut pouvoir, pour faire un rendez-vous. Alors, je n'ai pas l'ordre de grandeur, mais ça va peut-être donner une idée à votre auditeur. Ça sera un delta V qui permet de, pas nécessairement de s'insérer en orbite autour du corps, ce que n'ont pas fait d'ailleurs les Japonais pour Ryugu. Ça va pouvoir se mettre à proximité et le suivre sur une orbite similaire à une distance donnée. Donc, par contre, il n'est pas impossible, on n'en a pas encore discuté, qu'il tente de... Enfin, je ne vois pas comment il le ferait. Mais on peut... Avec les Japonais, moi, j'ai tellement de bonnes surprises qu'il faut voir. Mais qu'il tente une mise en orbite. Ce qu'a fait Osiris Rex autour de Bennu, hein, qui a été d'ailleurs la plus petite orbite jamais accomplie, 1,6 km de distance de l'objet. C'est très compliqué de s'insérer en orbite. Ça veut dire qu'il faut vraiment être sous l'influence totale de la gravité du corps, sachant qu'un objet de 30 mètres et qui tourne en 10 minutes sur lui-même, la gravité est extrêmement faible. On ne reste pas, même si on se met debout à l'équateur de ce corps-là, sans même sauter, hein, sans même faire ce que je fais sur ma chaise en m'excitant, sans même sauter, on ne reste pas à l'équateur. Il faut être collé, il faut de la cohésion. Donc c'est vraiment un environnement... Voilà. Il y avait aussi une question sur comment se fait la protection thermique de la capsule, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Ça peut intéresser les gens de voir finalement qu'est-ce qui fait la traînée là dans l'atmosphère. C'est la capsule qui brûle au final. Donc. Ah oui, c'est la capsule qui brûle. Hein. Il y a de la fusion, donc c'est un bouclier thermique. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait là. C'est du pica ou de la céramique, mais ce sont des matériaux qui permettent de résister à très haute température. Qui sont. Alors là, pour le coup, on connaît bien ça. Hein, les missions Apollo quand elles sont revenues. Et donc effectivement, la technologie. Va dépendre de la vitesse de réentrée. C'est pour ça que je disais que là, l'angle d'impact était crucial parce qu'on a pris un angle qui permet, avec les technologies qu'on connaît, qu'on a testées, de faire une réentrée telle qu'on l'attend. D'ailleurs, j'en profite, je n'avais pas posé la question tout à l'heure. Quelqu'un demandait s'il y avait eu des orbites successives, mais non, c'était vraiment une seule entrée, mais juste avec un angle. Oui, il y a eu des réajustements. D'ailleurs, il y a eu plusieurs réajustements ces dernières semaines. Pour la mettre sur la même trajectoire, la bonne trajectoire, et le mettre dans ce fameux couloir dans lequel il fallait que la sonde s'insère pour s'assurer qu'elle déploierait la capsule à l'endroit où il faut la déployer pour qu'elle rentre, elle arrive sur le désert de Woomera. Parce que si on l'avait mise en orbite, on n'était pas sûr de savoir où elle serait tombée, en fait, si elle avait fait plusieurs... Oui. Et là, il y a une contrainte forte, parce qu'on ne peut pas accueillir... on ne veut pas qu'elle tombe en Syrie, par exemple. Oui. Dans l'océan. Il y a deux zones de récolte. Il y en a une aux États-Unis, donc en Utah, qui a accueilli Stardust et qui accueillera Osiris Rex. Et il y a le désert de Woomera qui a donc été utilisé la première fois avec la sonde Hayabusa 1. Donc on fait pas n'importe quoi et donc tout ça a été vraiment préparé comme ça et tout marche impeccable, donc c'est vraiment clair. Alors la sonde Hayabusa 2, donc je l'ai dit, s'éloigne et donc on a bien compris qu'elle allait poursuivre avec une nouvelle mission et de nouvelles cibles. Je vois aussi qu'il y a quelques expériences qui vont être menées là dans les jours qui viennent de communication par laser, j'ai vu ça.
apparemment, des expériences entre où on va tirer au laser sur la sonde et elle va aussi réfléchir. On a une vidéo apparemment qui vient de l'ISS, je ne sais pas si c'est ça. Ils sont en train de montrer une vidéo. Alors, c'est un ralenti de la descente. Il y a des vidéos de la boule de feu là, qui sont très belles, qui arrivent là. Pour l'instant, est-ce que je voulais que je mette le son du live d'ailleurs, parce que c'est peut-être parce qu'on doit pas être loin du touchdown, comme ils disent, c'est-à-dire de l'atterrissage maintenant. Hein. Ouais. Ouais. Ils sont dans la fenêtre d'atterrissage, effectivement. J'ai vu que la vidéo qu'ils sont en train de montrer s'appelait commencer par ISS. Alors je me demande si c'est pas une vue de l'ISS. Non, non, l'ISS n'a pas capturé la vidéo. C'est non. Ce que je suis en train de lire. Ah, ouais. Non. Ah, donc, elle ne doit pas être positionnée. Mais c'est vraiment ça, c'est très bien pour les collègues qui travaillent sur les météores, hein, parce qu'ils ont ils ont là vraiment une très bonne image. J'espère qu'il a pu prendre des spectres pour pouvoir effectivement voir ce qu'il y a dans ce feu hein, produit par la capsule, et donc vérifier les modèles de rentrée dans l'atmosphère, hein, qui sont des modèles extrêmement complexes, parce qu'on passe dans des zones de l'atmosphère où il y a très peu de molécules, donc on est en hypersonique, après on passe dans différents régimes de vitesse, qui sont très intéressants, qui intéressent aussi d'ailleurs des laboratoires comme l'ONERA en France, etc. Donc c'est très intéressant d'avoir cette expérience documentée, pour pouvoir calibrer tous les instruments qu'on utilise pour la détection des météores naturels. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors Adrien de Villepoix, d'ailleurs, qui était avec nous en début d'émission, hein, nous a promis des images et s'il les avait capturées. Donc vu le bolide, je pense que ça a dû fonctionner aussi. Donc on diffusera rapidement sur Ciel Espace ces vidéos du Desert Firewall Network qui compléteront celles de la JAXA. Vous savez, ce qui est génial aussi, si je me permets, c'est que l'équipe Osiris Rex est en train de regarder ça aussi. Et je sais que certains pourraient penser que la NASA doit rager de voir les Japonais arriver les premiers. Je peux vous dire que pas du tout. C'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on s'aperçoit qu'on aime dans la recherche la compétition, mais c'est comme sur un match de tennis, on aime bien trouver les premiers, c'est toujours plus, évidemment plus excitant, le plaisir de la découverte. Mais c'est tout, il n'y a pas de problème d'ego. Il y a vraiment une volonté de réussir de part et d'autre. Et quand j'étais donc dans la salle d'opération pour la première école, j'avais les collègues de la JAXA de l'autre côté de la fenêtre, mais ils sautaient de joie. Ça a été le PI d'Osiris Rex, Dante Laureta, a tout de suite félicité les Japonais sans aucune. Et d'ailleurs, il est dans la mission lui-même. Et de même, on a des Japonais. D'ailleurs, ils vont s'échanger des échantillons. 0,5% des échantillons japonais vont aller à la NASA et 0,5% de la mission d'Osiris Rex vont aller à la JAXA. Donc ça montre que vraiment au sein des équipes scientifiques et même des agences, il n'y a plus de frontières. Quand on a un même objectif, on partage le même objectif, celui qui arrive le premier, il arrive le premier et on s'en réjouit. Et ça, c'est vraiment fantastique. Et je sais que là, mes collègues d'Osiris Rex sont en train de regarder ça de la même manière que les collègues d'Hayabusa 2 avaient regardé la récolte d'Osiris Rex. Quand elle s'est passée, ils étaient ravis qu'ils ont pris plus de 400 grammes peut-être. Donc c'est vraiment un bon message. Et ça montre aussi une chose qui est très importante à dire en ce moment, c'est que moi j'ai beaucoup d'espoir, même si parfois je m'inquiète sur ce qui arrive sur Terre, mais je m'aperçois qu'on arrive à relever des défis extrêmement complexes dans l'espace. Enfin, c'est du délire ce qu'on fait, les gens ne se rendent pas compte. Et on y arrive parce qu'il y a un moment donné où, en dépit de tous les débats qu'on peut avoir ensemble, on prend une décision. Et tous, on est motivés, passionnés, on a l'esprit d'équipe et on fonce avec cette décision-là. Donc, il faut un leadership et après, il faut une équipe soudée. Et quand vous avez ça, soudée, ça veut dire qu'il débat au départ, hein, mais qui après accepte la décision. Et quand vous avez ça, vous voyez qu'on arrive à faire des grandes choses. Donc, dans ce qui nous arrive actuellement sur Terre, j'espère que ça peut montrer l'exemple que, OK, les scientifiques peuvent débattre, ils veulent le faire sur les plateaux télé, qu'ils le fassent. Mais à un moment donné, il faut qu'on prenne des décisions et qu'on s'y mette tous et qu'on y croit avec passion. Et là, si on a cette coopération, on y arrivera. Et les animaux le font aussi, hein, parce que quand on dit la sélection naturelle, c'est la compétition à celui qui aura le plus à manger. En fait, non, il y a des organisations, on voit les fourmis, etc. Et c'est ça qui marche. Donc la coopération est très importante. Et dans le spatial, il n'y a plus aucune agence qui fait ses missions seule. La JAXA bénéficie du Deep Space Network, donc du réseau de suivi des satellites de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. Et donc, il y a des membres de plusieurs continents qui participent à cette mission, de la même manière pour Osiris Rex et dans toutes les missions.
Donc, c'est très important et on voit que quand on sait le faire, mais on fait des choses extraordinaires. L'être humain est capable de relever des défis incroyables. Donc, un autre exemple, il faut quand même le citer. Avoir atterri sur Titan avec l'Agence spatiale européenne en 2005, une lune de Saturne, un truc de fou, avec un satellite de la NASA, encore une fois, coopération, et on arrive à faire des choses vraiment, vraiment géniales. Ouais, juste une petite info, visiblement, l'astronaute japonais Soichi Noguchi, qui est à bord de l'ISS, a vu la capsule rentrer, il a essayé de la photographier, mais c'était trop faible pour qu'il puisse la photographier avec, avec l'appareil photo tenu à main levée, donc il aurait fallu une pause. Donc, en tout cas, il l'a vu d'après la vidéo. Lui-même. Hein. On a vu aussi des belles images, manifestement des images de pose longue, parce qu'on voyait la Voie lactée se dessiner à l'avant-plan de la trace du bolide. Donc, on sait déjà qu'on aura plein d'images et de très belles images de ce retour. On attend évidemment de voir la capsule, parce que j'espère que la JAXA va diffuser en direct. C'est un vrai pro-sol maintenant. Là. Elle devrait avoir touché le sol. Alors, évidemment, il faut rappeler qu'on est en pleine nuit. Là, il remontre l'ellipse d'atterrissage qui fait donc, je le rappelle, 100 km sur 150 km à peu près. Donc, il va falloir quand même trouver la capsule. Il y a des hélicoptères qui sont peut-être déjà en route pour aller la récupérer. Donc évidemment, ça peut prendre du temps. On espère que ça ne prendra pas toute la nuit, mais on est confiant dans le fait qu'ils vont la récupérer bientôt. Mais c'est vraiment pas immédiat parce qu'il faut c'est un peu au milieu de nulle part quand même. Hein. Et la personne que vous voyez maintenant, vous la voyez plus sur le site direct de la JAXA, si c'est ça que vous diffusez, parce que je vois pas ce que vous diffusez, mais on la voit plus maintenant, qui avait le masque noir. C'était Masaki Fujimoto qui est en fait le vice-directeur de l'ISAS, qui est le centre des opérations d'Hayabusa 2 et le centre scientifique de la JAXA, l'Agence spatiale japonaise, dans lequel il y a ce centre de conservation des échantillons et qui vont être accueillis. Masaki Fujimoto est un Japonais vraiment extraordinaire parce qu'il est japonais, mais il est très occidental dans sa façon d'être. Si un jour vous avez l'occasion de l'interviewer, c'est quelqu'un de très direct. Disons que si on veut savoir ce qu'il pense, il faut aller le voir et on saura. Donc il est très dans la coopération internationale, justement, toujours voulant faire en sorte que les agences participent à leur mission. Il faut peut-être parler de la mission MMX qu'ils sont donc en train de préparer, puisque les Japonais ont voulu avoir cette identification, et ils la méritent, d'être ceux qui font les récoltes d'échantillons et d'avoir été les pionniers. Donc ils ont fait Hayabusa 1, ils ont fait Hayabusa 2, et ils ont cette feuille de route, ce qui manque un peu dans certaines agences, d'avoir une feuille de route, c'est-à-dire avoir une certaine cohérence dans les missions qu'on veut faire et pas nécessairement sélectionner, pas au hasard, mais sur la base de la mission la plus prête, mais sans avoir une cohérence scientifique. Ça vaut de faire de votre manière. Mais eux, en tout cas, ils ont choisi ce mode-là. Et donc, leur idée, c'était d'échantillonner des corps de plus en plus loin du Soleil. Donc, on a commencé par Itokawa, qui est un corps plutôt riche en silicate, dont on pense qu'il est formé plutôt dans une région interne du système solaire. On est allé voir Ryugu, qui, lui, on pense, a été formé un peu plus loin, là où il y avait de l'eau. Et puis, on veut aller encore plus loin. Et la prochaine étape, c'est donc MMX, qui va aller voir une lune de Mars, Phobos, pour en récolter un échantillon avec un lancement en 2024 et un retour en 2029. Et c'est là-dessus qu'on a un rover franco-allemand qui va faire, c'est la première fois en France d'ailleurs qu'on fait un rover pour une exploration du système solaire, et surtout dans un régime de gravité sur Phobos qui est assez délirant, parce que selon où on est sur Phobos, du fait de la proximité de Mars, eh bien on a plus ou moins d'attraction. Si on est du côté de Mars, il n'y en a pas d'ailleurs. Donc selon où on se pose, ça ne se réagit pas de la même manière. Et Masaki Fujimoto a été vraiment très important, parce que c'est lui qui, quand MMX a été décidé, eh bien, à essayer de donner un cadre international à cette mission en accueillant un spectromètre infrarouge qui va être développé par le LESIA, l'API c'est Antonella Balucci, que certains d'entre vous connaissez, qui s'appelle MIRS, qui sera donc à bord de MMX, de la sonde, en accueillant un instrument de rayon gamma qui sera fabriqué par la NASA, et en accueillant un rover franco-allemand. Donc on voit que les Japonais ont vraiment ce souci de la coopération internationale, et la personne que vous voyez tout à l'heure, on ne la voit plus maintenant, Masaki Fujimoto, est vraiment une personne clé pour cette coopération, parce qu'il est très à l'aise à parler de différentes manières, japonaises ou occidentales. Donc vous allez retourner dans cette salle de contrôle, si j'ai bien compris. J'espère, oui. Toujours, oui, on espère. J'aurais aimé y être à ce moment-là, mais
le Covid l'empêche. Et là, vous voyez encore une fois, c'est Tsuzasan, donc c'est le manager de l'équipe des opérations, qui est en train de, avec son micro, voilà, qui est probablement en train de féliciter toute son équipe et de se réjouir. Et je sais ce qu'ils vont faire après. Ils vont aller boire une bière Hayabusa 2. Donc ça, c'est le souvenir de où on posait la bouteille quand on a bu Touchdown Beer Hayabusa 2, quand on a fait la récolte d'échantillons. Ils ont fait une bière. En fait, il y a une bière dont la marque est Touchdown. Et ils ont rajouté Hayabusa 2. On l'a bu, elle est très bonne. Et je pense qu'ils vont faire ça après pour célébrer la récolte, enfin si la situation sanitaire le permet au niveau de l'ISAS. Et on voit donc Makoto Yoshikawa, pour ceux qui le connaissent, qui est sur le siège tout au fond, oui, au milieu, avec le masque noir. Makoto est un ami de 25 ans que j'ai connu en 95 et avec qui j'ai beaucoup baroudé dans plein de pays, dans les congrès, qui est venu même à Nice un an et qui était donc le project manager d'Hayabusa 1 et bien sûr rôle clé dans Hayabusa 2, un japonais adorable, vraiment très très gentil et qui doit être bien fatigué là. Donc là, la capsule est posée maintenant et ils vont essayer de la chercher, hein, c'est ça. Il y a des drones notamment pour essayer de la localiser. Elle a un émetteur, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il a une durée de vie, cet émetteur, il me semble, mais je n'ai plus en tête quelle est sa durée de vie. Mais là, bon, il devrait la retrouver sans trop de problèmes. Adrien, on n'a pas de questions pour l'instant dans le chat. Une avait, mais je réponds un petit peu, qui ont déjà été répondues, en fait, comme la protection de la sonde. On a Yanours06 qui nous provoque peut-être un peu en disant que c'est tout ça pour des cailloux. Mais... Je sais qui c'est, Yanour. Ouais, alors, c'est le collègue avec qui j'ai partagé mon bureau pendant 20 ans. Donc je crois qu'on a pu passer plus de temps ensemble qu'avec nos femmes. Et je pense qu'il en a ras-le-bol des bouts de cailloux parce que, comme évidemment, je suis très beaucoup dans les médias, être avec moi dans le bureau pendant 20 ans, c'est un expert de magnéto-hydrodynamique. Donc, certains processus qui sont subis avec la capsule quand elle est rentrée dans l'atmosphère, il connaît ça très bien. Mais je pense qu'il pourrait parler aussi bien que moi maintenant des astéroïdes parce que le pauvre. Donc, tu as raison, Yanour, défoule-toi. Vous voyez, dans la science, on s'amuse beaucoup. On crée des liens très forts et on se permet ce genre de choses. Cela dit, il faut dire qu'on est en pleine épopée des cailloux, pour reprendre l'expression. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 15 ou 20 ans, on n'en était pas encore là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit un moment assez particulier. On parle beaucoup de petits corps. On a eu Rosetta, on a les astéroïdes. On est en fait dans un moment un peu particulier. En fait, c'est l'âge d'or un peu de votre discipline. Mais alors, écoutez, je vais me défouler. Et mon collègue Yannick va savoir de quoi je parle. Donc, en fait, on est vraiment dans l'âge d'or. C'est-à-dire que c'est incroyable. On va avoir encore d'autres missions. Il y a la mission qui va aller voir un corps métallique de la NASA, la mission Lucy qui va aller voir les astéroïdes troyens qui partagent la même trajectoire que Jupiter. Et là, pour le coup, on sait qu'on n'a pas de météorite de genre d'objet, donc on va découvrir des choses où on est sûr que là, on n'a rien sur Terre qui correspond. Et ça, c'est extraordinaire. Lancement de Lucy l'année prochaine, lancement de Psyche en 2022, et ça va nous mener jusqu'en 2035. Hein. Plus la mission étendue d'Hayabusa 2 et la mission étendue d'Osiris Rex, dont on n'a pas parlé, mais il y aura une mission étendue. Que fait l'Europe dans tout ça? Eh bien, heureusement, on s'est battu avec ma collègue Antonella Barucci et la communauté européenne pour avoir une mission de retour d'échantillons. Vous vous rappelez Marco Polo Air, l'agence spatiale européenne ne l'a pas sélectionné. Et c'est fou quand même quand on voit que toutes les autres agences se sont mis au retour d'échantillons, y compris la Chine, qui va aller récolter un échantillon d'astéroïdes aussi avec la mission Zhengge. Donc tout le monde s'y est mis et nous, on a tenté deux fois, on n'y est pas arrivé. Donc vous imaginez mon bonheur, il aura fallu pour la mission ERA, qui va faire le premier rendez-vous avec un astéroïde double, sans ramener un échantillon, mais on va faire une autre science, on va faire pour la première fois du sondage interne, ce qui n'a jamais été fait avec un expert français, Alain Éric de Grenoble, sur un CubeSat luxembourgeois, le CNES est associé à ça, et on va faire de nouvelles choses. Mais il aura fallu 20 ans de bataille pour arriver à avoir une mission sur un astéroïde à l'Agence spatiale européenne, avec la mission Don Quichotte qui avait été proposée pour dévier un astéroïde, et qui a été vraiment la... L'ESA est en plus pionnière dans ses études, c'est ça qui est fou. Il aura fallu batailler avec en plus un refus une première fois en 2016, puis finalement,
une acceptation en 2019, j'étais tellement stressé ce jour-là que je me suis fait un pic à 41 degrés. Non, mais vraiment, il a fallu que je rentre chez moi. Le médecin est venu et il m'a mis des glaçons pour me refroidir. On voit l'effet psychologique. 20 ans de combat, c'est fou quand même. Alors, heureusement, maintenant, l'ESA est dans la course avec la mission ERA, va pouvoir faire fructifier sa super expertise avec Rosetta. Rosetta, c'était une comète. Hein. C'est vrai qu'on a fait une comète, mais on n'avait pas fait d'astéroïde, et qui a fait, des opérations extrêmement complexes. Mais il faut pouvoir permettre de propager cette expertise dans les générations futures. Avec ERA, on va pouvoir le faire. Donc, on a vraiment une chance folle, c'est vrai. C'est que finalement, les astéroïdes ont le vent en poupe. Et ce n'est pas pour rien, parce que, comme je vous disais, ils nous renseignent tellement sur l'histoire du système solaire. Ils représentent aussi des challenges technologiques. Donc, tout est là. Oui, je pourrais dire, pardon, je suis bavard, mais les astéroïdes, en fait, ils ont un aspect génial, un avantage, c'est qu'ils intéressent plusieurs communautés qui ont des objectifs très différents, mais qui ont besoin des mêmes informations. C'est pour ça qu'il y a tant de demandes. Il y a ceux qui s'intéressent à la science, on a expliqué pourquoi. Il y a ceux qui s'intéressent à la défense planétaire, comment se protéger de l'impact d'un astéroïde, qui, je rassure tout le monde, est le risque le moins probable. Il n'y en a aucun identifié à ce jour qui nous menace. Donc, on a le temps de se préparer. Et on voit d'ailleurs avec la pandémie que pour les événements à très faible probabilité, mais à haute conséquence, il vaut mieux être prêt avant d'en avoir besoin, parce que si on attend d'en avoir besoin, eh ben, on est en panique et dans l'urgence, les décisions sont plus compliquées à prendre. Et comme là, il y a quand même plusieurs étapes avant de savoir maîtriser ces objets, on est en train de les faire, donc c'est la bonne nouvelle. On a le temps, il n'y a pas de menace et on est en train de s'y préparer. Et ensuite, il y a ceux qui veulent les exploiter pour pouvoir les utiliser comme station de service pour ne pas amener toute l'énergie depuis le sol terrestre. Et en fait, pour remplir ces trois objectifs, qu'est-ce qu'il faut ? Eh ben, comprendre ces objets. De quoi ils sont faits, comment ils réagissent dans leur domaine de gravité, quelle est leur composition. Donc au final, peu importe la raison pour laquelle on va explorer un astéroïde, on sait que les informations, les connaissances nourriront au moins les deux autres communautés dont ce n'était pas l'objectif principal. Donc c'est pour ça qu'il y a un temps d'engouement, parce qu'en fait, il y a plusieurs communautés qui s'y intéressent. Donc on remplit plusieurs objectifs avec une seule mission. Ah, vous êtes un superbe avocat de la cause des petits corps. L'ambassadeur des astéroïdes. Philippe, évidemment, nous, on va suivre tout ça avec attention sur le site de Ciel Espace, dans le magazine, sur le podcast, sur nos vidéos. On va pas lâcher l'affaire. Non, on va vous faire un petit compte-rendu assez rapidement. Et c'est étonnant parce que là, vous voyez, il est 19h09. Et on est à quelques minutes du début des manœuvres de l'étage de remontée de Chang'e 5 pour en vue de son amarrage aux alentours de 22h40. Donc, même dans l'espace, une info chasse une autre. Vous voyez, en ce moment, c'est l'embouteillage. Et avec, tout ça avec des cailloux, hein, pour une poignée de cailloux. Pour quelques cailloux de plus. Alors, on n'a pas vraiment de news. Je vois que la JAXA a rediffusé des images tout à l'heure de la campagne d'observation, l'installation des détecteurs pour le bolide. D'ailleurs, Adrien, qui est en régie, je voulais faire passer un lien. J'ai oublié en début d'émission un lien qui était, Adrien de Villepoix, qu'on a vu tout à l'heure, il a fait un blog pour expliquer un petit peu sa mission. Pour les gens que ça intéresse, c'est assez marrant de se rendre compte comment on installe une manip comme celle... comme celle que les Japonais ont d'ailleurs aussi installée pour observer ce bolide et le récupérer. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas dans des conditions forcément faciles. Alors, ça se comprend, hein, Patrick Michel. On ne fait pas un retour d'échantillon au-dessus d'une capitale européenne. On essaie de trouver un désert, quelque chose comme ça. Absolument. Ah oui, il faut pouvoir d'abord un désert, de telle sorte que ce soit une zone protégée où tout le monde ne peut pas aller comme ça récupérer la capsule. D'ailleurs, il paraît que pour la sonde Hayabusa 1, c'est ce que m'expliquait Adrien de Villepoix hors antenne avant l'émission, apparemment, les Japonais avaient été un petit peu embêtés du fait que la NASA aussi avait dépêché des hélicoptères. Il y avait beaucoup de monde, apparemment, le jour de l'arrivée de Hayabusa 1, et trop de monde, manifestement. Oui, il y avait même un avion qui... Alors, pour le coup, le film que vous pouvez voir peut-être sur YouTube, de la rentrée dans l'atmosphère de la capsule, a été pris par un avion de la NASA aussi. Il y avait effectivement beaucoup de monde à ce moment-là. Mais bon, la NASA en même temps était dedans aussi parce que les Japonais utilisent les antennes de la NASA pour suivre la sonde. Donc, et puis, encore une fois, c'était vraiment le retour d'Hayabusa 1, c'était la démonstration technologique
de l'arrivée dans l'atmosphère. On s'attendait pas. Enfin, moi, franchement, j'étais un des seuls qui pensait qu'il y aurait des échantillons. J'avais fait un pari avec mes collègues japonais, mais la plupart pensaient pas qu'on avait récolté quoi que ce soit. Donc, l'idée de revenir, c'était pour tester la technologie de la rentrée dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça qu'il y avait autant d'attention. Parce que là, c'était la première fois, on voulait avoir un maximum de données, donc il fallait impérativement s'assurer qu'il y avait assez d'observations faites pour y arriver. Là, cette fois-ci, on sait déjà, avec la première fois, comment ça se passe. Ça reste une expérience intéressante, parce que toute expérience est bonne à prendre pour faire des... Et puis, on a des instruments plus sophistiqués maintenant aussi. Mais voilà, c'est plus restreint, effectivement. Donc, il y avait des gens qui, à l'époque, ne voulaient même pas forcément faire un retour d'Hayabusa. La question, c'était... Non, la question ne s'était pas posée. Puisque justement, l'idée, c'était... Mais c'était plus pour des raisons d'avoir les échantillons. Oui, c'était pour tester toutes les opérations qu'il fallait faire pour s'assurer qu'on avait une capsule qui rentrait dans l'atmosphère et qu'elle résistait à la rentrée dans l'atmosphère et qu'elle atterrissait là où elle devait atterrir. Il y avait vraiment cette volonté d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'ils ont persévéré et qu'ils ont augmenté le temps des opérations. Parce qu'Hayabusa 1 devait revenir en 2007. Et puis, à cause des péripéties qu'il y a eu pendant le rendez-vous, ils ont raté la fenêtre de retour et ils ont dû attendre 2010. Enfin, ils ont dû attendre pour pouvoir revenir sur Terre en 2010. Et évidemment, toute année supplémentaire a un coût en termes d'opération. Donc, ce n'est pas anodin. Avec ces deux missions, Hayabusa 1 et Hayabusa 2, on voit que la technologie, maintenant, elle est au point, elle est bien maîtrisée. La stratégie est bien connue. Les composants, on sait faire, j'imagine. Est-ce qu'il est envisagé Hayabusa 3, finalement, assez rapidement? Parce que là, on a tout sur l'étagère, maintenant. Alors, tout sur l'étagère, mais encore une fois, comme chaque astéroïde est différent, et selon la taille de l'astéroïde, la gravité n'est pas la même, il n'est pas dit qu'un mécanisme de récolte d'échantillons soit adapté d'un astéroïde à l'autre, et les stratégies. Donc, par contre, on va le faire avec MMX, avec une technologie totalement différente, puisque cette fois-ci, on va poser la sonde pendant 2 heures et on va creuser avec un core en anglais, enfin une espèce une carotte, un carottage. On va faire un carottage de 10 cm de profondeur pendant 2 heures avec un bras qui va pouvoir... Donc ce qu'on a fait avec Hayabusa 2, c'est du touch and go, c'est-à-dire on descend, dès que le cornet tape le sol, en une seconde, on tire le projectile et on balance les propulseurs, on s'en va. Une seconde. Là, on va sur Phobos vraiment atterrir, se poser et pendant 2 heures faire les opérations, ce qui est une technologie là tout à fait différente. Parce qu'on pose la sonde qui doit pouvoir repartir avec des jambes qui doivent se poser sur un environnement dont on ne sait pas ce qu'il est fait, est-ce que ça peut s'enfoncer. Le rover du CNES DLR va être très important pour ça parce qu'il va d'abord rouler sur cette surface et donc va éduquer la sonde pour savoir comment elle réagit et affiner l'opération de descente. Donc ils n'en ont pas fini avec les démonstrations technologiques, même si MMX n'est pas une mission de démonstration technologique, c'est vraiment une mission scientifique, mais c'est la première fois c'est qu'on va faire. C'est un tractopelle de l'espace, dit Marmonet. Non, mais en fait, c'est jamais fini dans l'exploration, il y a toujours des opérations nouvelles et risquées, puisque par définition, on va voir des nouveaux territoires. Donc à chaque fois, il faut s'adapter. Alors bien sûr, on part de l'hypothèse que les technologies qu'on sait faire vont marcher, mais ce n'est pas nécessairement le cas. On l'a vu avec les stratégies de navigation qu'il a fallu revoir en temps réel. Donc il y a toujours une... dans la salle de contrôle. Ah, ils ont peut-être retrouvé la capsule. Alors, ils sont en train d'applaudir. Faisceau radio qui a été... obtenu de la capsule, non, c'est ça? Oui, il me semble. Moi, du coup, j'ai pas accès au... Donc il là, ils vont... Là, maintenant, il faut prendre le temps pour retrouver la capsule. Je pense pas qu'on va la voir maintenant. Vraiment, il y a une histoire de triangulation radio pour trouver l'endroit où se trouve la capsule. Alors écoutez messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça fait 1h30 qu'on est ensemble, je ne sais pas si on aura le temps d'attendre le retour de la capsule. Alors je ne sais même pas combien de personnes nous suivent, Adrien, et finalement, les gens veulent qu'on attende ou pas, ça risque de prendre du temps, peut-être qu'on peut mettre fin à ce live maintenant. Remercier vraiment infiniment Patrick Michel d'avoir été avec nous pendant 1h30, merci beaucoup Patrick. C'était un plaisir. Pour toutes quand ces informations. Toutes ces explications et toute sa connaissance profonde de cette mission, c'était vraiment important. C'était vraiment... Merci de m'avoir... On attend jusqu'à la fin.
Merci de m'avoir invité et désolé d'être aussi bavard, mais vous me connaissez. Non, mais c'est aussi, on se connaît depuis longtemps. La suite, ce sera ben, sur Twitter, sur le site web de Ciel Espace. Merci Philippe, merci Adrien pour la régie et pour le chat. Ça marche, tout s'est bien passé et c'est assez miraculeux parce que c'était quand même une première pour nous. Bah, écoutez, c'était génial. C'était un super moment. Merci beaucoup. Et puis, messieurs, à bientôt. Attends, juste David, on peut en profiter pour dire que maintenant, on a quand même lancé un peu, essayer de faire une émission de l'actualité spatiale toutes les deux semaines. Et qu'on a une prochaine émission jeudi 10 décembre. Donc, tout à fait. Suivre. 18h. À 18h, jeudi 10 décembre. Merci, Adrien. J'avais oublié. Merci, messieurs. Et au revoir. À bientôt. Merci à vous trois. C'était super. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci à tous les spectateurs.